Jusqu'à présent, tout m'a l'air au beau fixe. Je m'incruste tranquillement, je fourre mon nez partout, mais avec discrétion. Mais votre gendre, il m'a paru pas mal plus futé que les airs de grain innocent qui se donnent. Plutôt bien placé pour le savoir. D'après tes observations, là, t'as fait qu'à quoi? S'il y a maguillonnage de sa part, c'est pas évident comme une facture. Son affaire, là, c'est une secte, ben non, c'en est pas une. Tous les jours, il y a des petits tapons de monde qui se rassemblent dans l'espèce de sanctuaire de l'autre bord du chemin. Mais je peux pas dire de quoi il en tombe vraiment. Mais c'est pourtant pour le savoir que tu paques à Robic. Dans un paquage, on mange de l'arbre. C'est même la seule raison pour qu'on pensionne dedans. Vous savez, les situations délicates, il n'y a jamais de mise de les brusquer. Ça s'appréhende toujours avec des grands blancs. Là, je me suis surtout occupé de Gabrielle Lavaille. Et ça se présente comment avec elle? Ouais. Pour rester dans les mêmes images que les vôtres, elle est poche bourrée de foin. Le sanctuaire, c'est elle qui l'a financé. C'est pareil pour les restaurations apportées à la maison. Toutes les factures sont ramassées drette sur le bureau de Gabrielle Lavaille. Aussi, je me suis informé pour les hypothèques qu'il y avait sur les bâtiments auprès de la caisse du BIC. Mais cet été, votre gendre a tout payé. Il a remboursé le prix qui devait quincaillerie, là. Sûrement pas en vendant en vrac ses cossins que ça a pu rapporter autant. Mais je suis pas rendu encore à cet homme avec le gérant de la caisse du BIC pour ameuter les verres au fond de la chaudière. Mais mon opinion, c'est que Gabriel Lévesque a rendu ça possible. Une opinion, ça n'a rien pour me satisfaire. Ce que je veux, c'est sortir ma fille des griffes de Marie-Victor avant que ça se rende trop loin. Oh, ben, pour le moment, vous n'avez pas à vous inquiéter, je pense. Votre fille a l'air à se porter parfaitement bien. Même qu'elle est comme une abeille dans la maison. Autrement dit, elle frotte comme une déchaînée, là, c'est ça? Non, pas depuis que je suis dans la maison. En tout cas, c'est surtout Gabriel Lévesque qui se promène tout le temps partout avec un torchon à la main. Vous m'aviez dit que votre fille avait comme un problème dans la vie. À voir ce que je vois depuis que je suis au BIC, c'est loin de me frapper pareil comme un coup de poing en plein front. Votre fille, là, a l'air parfaitement normale. Si t'en as pour l'avant-midi, moi, je file drette là au bureau. Hein, mes rendez-vous, je peux plus les tasser. Donne-moi une minute, là, j'arrive. Bon. Mais on va dire que ça va suffire pour le matin. Passons maintenant au nerf de la guerre sainte. Je te dois combien, là, pour le travail déjà fait? Pas besoin d'être inquiet, je suis certain que ça va marcher. C'est mieux, parce que sinon, change d'école. On en reparlera quand tu viendras dîner à Beurre et Fromagerie. You! Tu pourras au moins me souhaiter un bon avant-midi. Bon avant-midi! Tu m'as appelé chez nous tantôt. T'as pas voulu m'en parler. Mais c'est quoi ta fameuse idée? Ça va être pas mal trippant si ça marche. Vous allez voir. S'il faut avoir l'accord de Madame Rioux, on est aussi bien de manger du hypnose tout de suite. Elle veut jamais qu'on fasse rien. On va le savoir, ça sera pas long. Mets-nous au courant d'abord. Avant que la classe commence, j'ai le temps en masse de vous expliquer. Et si on n'entre pas de suite, on va encore se faire écœurer en dedans. D'ici que je serai là d'ici une demi-heure ou plus tard. Le reste peut attendre, Denise. À tantôt. Bon. On était rendu où, là? Laisse faire le carnet, tu veux? Ben, étant donné que je suis redevenu l'homme de la maison, c'est un peu normal que j'agisse à ta manière. C'est d'autant plus nécessaire que t'es quasiment plus jamais là. Ben. On était rendu à Philippe. Puis l'argent dont il a besoin pour sa campagne électorale. J'ai pas eu vraiment le temps de rejoindre tout mon monde pour en finir avec le financement, mais je passe la fin de semaine là-dessus. Avec Rosaire,
Bien évidemment. Rosaire fait aussi partie du comité de financement. Je parlais pas de ce point de vue-là. Mais de ce qui se passe vraiment pour toi, là-dedans. Depuis ton voyage à Paris, j'ai l'impression que ta relation a changé avec Rosaire. Je me trompe? Pourquoi tu m'interroges là-dessus? Moi, je l'ai jamais faite pour ce que tu vivais avec Mélina. Mélina puis moi, on n'a jamais parlé de rester ensemble. Mais quelques années, quand tu t'es mis à fréquenter Rosaire, il te l'a proposé. Puis pas juste une fois. Si t'as refusé, c'est pas parce que t'avais pas le goût. C'est parce que Rosaire puvait. Astaire qui a prouvé depuis assez longtemps que c'est pas quelque chose qu'il tente. J'ai comme l'impression que ça change quelque chose entre lui et toi. J'aime Rosaire. Comme toi, t'aimes Mélina. Pour le reste, je suis pas encore capable d'en parler. Je sais pas vraiment ce qui va arriver. Ça fait tellement d'années qu'on vit ici l'un à côté de l'autre hein, que peut-être que, malgré soi, on a fini par s'y trouver confortable. Ça a souvent été une belle complicité. Même si cette complicité-là a évolué au cours des années. En dedans de moi, ça me fait du bien que ça soit encore possible. Mais c'est pareil pour moi. C'est peut-être pas évident pour bien du monde, mais j'ai toujours souhaité qu'il n'y ait pas de manquement dans l'affection que je t'ai portée. Puis que je vais toujours te porter. Peu importe la décision que tu vas prendre par rapport à Rosaire. Si c'était possible de revenir 30 ans en arrière. Une autre urgence, sans doute. Allô? Ah, bonjour, Mélina. Ben non, tu ne déranges pas. C'est moi qui est en retard. Je te remercie d'avoir pris le temps qu'on se parle. Tu l'as apprécié. Moi aussi, je l'ai apprécié. Passe une bonne journée, Léonie. Toi aussi. Excuse-moi, Mélina. Et quoi de neuf un matin? Avant, c'est Victorienne qui arrêtait pas de frotter. Mais là, vous êtes pas obligé de prendre sa place en déployant tout le temps autant d'énergie. Un peu d'exercice, c'est juste bon pour la santé. Je suis restée sur mon compte à moi assez longtemps. Je suis encore toute rouillée par là-dedans. Ça n'a pas l'air d'être le cas de notre nouveau pensionnaire, par exemple. T'as quelque chose à leur reprocher? Il a toujours une patte, ben c'est un autre. Le matin, encore, il s'est levé avant tout le monde, puis il a décabané. Il nous a dit qu'il aimait se rendre visite au fleuve le matin. Le fleuve? Il est déjà quasiment tout gelé d'un bord à l'autre. L'hiver me demande bien ce qu'il peut tant donner à voir. Lâchez la guenille, là, puis venez vous asseoir. J'aimerais ça, moi, que vous me disiez ce que vous en pensez de Magloire-Saint-Jean. Oh, j'ai rien à parler de compte. Sauf pour une petite chose qui est pas sans me chicoter un brin. C'est quoi? Magloire m'a l'air d'être une bien bonne personne. C'est toujours de bonne humeur. Puis checké, chic and swell. Il n'y a pas de commentaire à passer là-dessus. Mm-hmm. Mais je le trouve distant avec nous autres. On dirait qu'il fait chambre à part, même quand il est dans la cuisine. Ah, je sais bien que l'important, c'est de s'acclimater, puis des fois, ça se fait pas en criant ciseaux ni bingo, mais ça me fatigue pareil que Magloire soit aussi rétif sur le plan de la religion. En m'en venant rester ici, il me semble que c'était quelque chose de convenu. Tout le monde devait pratiquer la même religion. Magloire m'a demandé discrétion là-dessus. En tout cas, pour un certain temps. Comme je voulais pas l'épeurer pour rien. Mais pourquoi ça l'aurait épeuré, ce qu'on fait?
Ce qu'on peut penser de la spiritualité, c'est tellement personnel que c'est toujours mieux d'y aller d'abord avec des gants blancs. Mm. Mais je vais commencer direct aujourd'hui à tisonner le poêle. Mm-hmm. Hein, vous êtes parti de bonne heure en row 2 pour aller faire votre jogging sur le bord du fleuve. Ah, ben, matin, je suis allé plus loin que devant l'île Barnabire. Pour voir un enfant des neiges, la meilleure place, c'est encore dans les aboiteaux de Kamouraska. Mm-hmm. Là, tu te caches dessous une talle de brousse, puis tu restes là sans bouger. Et avant d'avoir un beau enfant des neiges dans l'œil, tout ce que ça demande, c'est de la patience. Ben, matin, j'ai été chanceux pas ordinaire. J'étais pas aussitôt sorti de mon char que je n'avais un beau dret devant moi. Ça doit être bien beau à regarder. Ah, chaque fois, c'est comme un don que le ciel nous fait. Je n'ai jamais vu, moi, de l'enfant des neiges. Ben, je pars demain à bord du jour. Si vous voulez venir avec moi, vous êtes la bienvenue. Si vous aviez une minute... J'aimerais ça continuer à jaser. Ah, ma marche d'un champ de neige m'a comme amorti. Je vais aller piquer un somme, puis après, je serai décalé pour parlementer. À moins que ce soit urgent, bien sûr. On va être là toute la journée. Il n'y a pas de presse pantoute. Bon, moi, je m'en vais me recueillir de l'autre bord du chemin. Accompagne, Madame Léveille. Moi, je préfère rester ici pour le cas où Magloire aurait moins d'endormitoire que prévu. Après, j'irai sans doute vous rejoindre. C'est pas les papiers qui me manquent pour m'aider à faire passer le temps. Traîne sauvage. Je sais bien qu'on n'est pas nombreux aujourd'hui à cause de l'épidémie de grippe qui sévit partout. Mais c'est pas une raison pour qu'on n'avance pas plus vite. Avant que tout le monde s'en aille dîner, j'aimerais bien qu'on trouve d'autres mots pour la composition qu'on va écrire après-midi. Faudrait que tu participes, Lévi. T'as pas ouvert la bouche de la matinée. Puis t'as passé tout ton temps à écrire je sais pas quoi. Et c'est pour le projet dont on va parler tantôt. Mais avant que la classe soit finie, t'as le temps d'ajouter un mot au tableau? Si ça avance les choses, c'est correct. Mitaine. Signez-le, mais c'est aussi bien ça qu'autre chose. Mitaine. Mitaine. On va terminer l'exercice après-midi. Quand on est nombreux de même à vouloir parler à son professeur, ça ressemble à une conspiration. C'en est une aussi. Dans ce cas-là, on ferait mieux d'aller en discuter avec le directeur. C'était une farce qu'on faisait. Si on veut avoir le temps de dîner, faudrait atteler le Borloo. Qu'est-ce que t'attends? Juste que vous me laissiez parler. T'as le crachoir pour toi tout seul. Je t'écoute. Pourtant, il y a d'autre qu'un archi bien ordinaire. Ah, c'est pas l'auberge qui est important. C'est ce qu'on apporte de soi dedans. Veux-tu bien me dire ce qui t'arrive aujourd'hui? Hein, d'habitude, quand tu te mets à coller de même, c'est que le printemps est pas loin. Pourtant, on vient à peine de commencer l'hiver. Ah, le ciel est plein de chambardements en température. Il mouille en plein mois de décembre, il neige en septembre. Je me sens pareil au climat. Sauf que ça n'a plus rien de désagréable. Je fais assez bien que je vois le soleil même quand il est l'autre bord des nuages. Tu dois avoir reçu des bonnes nouvelles pour Victorienne, tu comme rien. Ah, c'est avec quelqu'un qui surveille ça pour moi au bic. C'est certain que je dors mieux la nuit. Mais mon plaisir vient pas juste de là. T'as parlé à Léonie? Là, t'es en train de briser le contentement que j'ai. Oh, c'est pas ce que je faisais. Je t'assure. Mais tu t'inquiétais tellement. Je m'inquiétais pas, mais ça me fatiguait de rien savoir. Léonie t'a dit ce qu'elle comptait faire pendant vers Rosa. Ah, c'est pas le genre aller vite de même. Mais d'avoir accepté d'enjoser avec moi, c'est déjà bien plus que ce que je pensais. Je mets ce qu'il faut là-dessus. On mange. Non, tu mets rien là-dessus parce qu'on mange pas là. Comment ça? J'ai encore rien vu de la beurrie fromagerie de Charles. Là. Il faut qu'on monte tous les deux à Saint-Paul-de-la-Croix. Mon dîner?
n'a pas de chaudron avec nous autres. Ça n'aurait pas le temps de s'édire d'ici de Saint-Paul-la-Croix. Oui, mais du hachis, c'est bon avec des hors-d'œuvre. C'est pas long préparé, ça. Comment? Ils sont déjà toutes prêtes, là. Prêtes à nous fondre dans la bouche. Regarde, je vais te le prouver, Paul. Mom, t'as pas besoin de me demander la permission pour aller au moulin et inviter les employés pour ton assemblée de cuisine. Ça sera à eux autres de décider s'ils veulent y aller ou pas. C'est pas vraiment ce que maman te demande, ni moi non plus, d'ailleurs. Ce qu'on veut, c'est que tu sois là pour l'assemblée de cuisine. À part le monde du moulin, qui c'est qui va venir? On sait pas encore. On commence tout juste à ravauder. Mais si tu fais allusion à sa mec puis à son père, il devrait passer la journée avec Benjamin dans la République du Madawaska. En quoi la présence de Samek puis de son père est si importante pour toi? Je parlais pour parler. À moins d'un empêchement majeur, là, je serai à la maison pour votre fameuse assemblée. Merci, Samuel. Il ne nous reste plus qu'à s'entendre avec les ouvriers. Je te rejoins dans une minute. J'ai des renseignements à demander à Samuel. Qu'est-ce que tu veux savoir encore? Ben, depuis que le moulin a été restauré, j'ai eu aucun rapport, puis surtout pas de bilan sur l'état des opérations. J'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Maintenant que j'ai rallongé la saison de boitillage, on consomme autrement plus de bois qu'avant. T'as peur d'en manquer? En fournissant la quincaillerie des Beauchemins, ça nous a ouvert pas mal de portes. Il y a un nouveau client là, qui se présente quasiment tous les jours. Ah, ben, je te l'avais dit que ce serait les résultats qu'on aurait. C'était prévu, sauf que ça va juste plus vite que je pensais. Les chantiers qu'on fait à Biencourt et dans le reste de la région suffiront plus tard. On risque de manquer de bois aussi. Ben, ça devrait pas poser problème. Avec les terres à bois de Marie-Victor Leblon qui sont à moi maintenant, on n'a qu'à faire chantier là-dedans cet hiver. Il y a du bois pour alimenter le moulin pendant au moins un an. Faudrait d'abord que j'étudie l'affaire comme il faut, puis qu'on prenne entente toi puis moi là-dessus. Le moulin achète mon bois au même prix qu'il paye les autres, plus une commission de 10 %. Étant donné qu'on partage avec Benjamin les profits du moulin, tu vas en faire à trois places en même temps. Ça va minoter tout à l'heure. D'un cours que je suivais au cégep, on appelait ça de l'intégration verticale. Si on fait chantier au BIC, ça commencerait quand? Je vais d'abord étudier l'affaire, puis on s'en repart. Tu vas faire quoi avec tout l'argent que ça va te rapporter? Une fois que je l'aurai engrangé, je saurai bien comment me débrouiller avec. Sois pas inquiet pour moi là-dessus. Je comprends pas pourquoi elle s'entendait mal avec toi. Pour l'argent, vous étiez pourtant à la même longueur d'onde. Rien qu'à claquer des doigts, puis ça vient tout seul. Vous arrivez en plein dans le bon temps, je suis justement en train de faire du café. Ouais, j'ai piqué un méchant somme. Moi, je pensais dormir quelques minutes. Vieillir, ça ressemble à ça. Tu marques une demi-heure dans la neige, puis t'as le gras des jarrets qui t'élancent de partout. Vous n'avez pourtant pas les caritures de quelqu'un qui se fatigue vite. Oh ben. Avant, j'étais pas tenable, pas plus qu'en raquette qu'autrement. Mais là, je me suis trop laissé aller à rien faire. J'ai les jambes comme de la guenille. Donc, vous vouliez me parler tout à l'heure, c'est pour que ça fait? Je voulais savoir, comment vous trouviez ça ici, dans la maison? Si tout est à votre goût, s'il y a des affaires qui vous bordent. Oh non, c'est parfait comme c'est, mais c'est pas, peut-être pas la même chose de votre bord. S'il y a quoi qui me rend de la manche, gênez-vous pas pour me dire. Ah non, 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 on s'entend bien tout le monde avec vous, c'est pas la question. C'est plutôt une affaire de détails. De détails, ça veut dire quoi, ça? Ben, pour la religion qu'on pratique, là, vous marchez pas tout à fait du même pied que nous autres. Ça vous donne tant d'embêtement que ça. Bien, ce qu'on essaye de faire, Victorienne puis moi, c'est comme une famille. Puis une famille, c'est important que ça s'accorde tout le monde ensemble. Surtout pour le spirituel.
Ben, si vous voulez que je m'en aille pensionner ailleurs, c'est juste à me le dire. C'est pas ce que je souhaite. Mais pour l'harmonie ici dedans, je peux pas garder quelqu'un qui partage pas un peu au moins nos sentiments. Ça serait pas honnête de ma part. Oh, je sais bien que sur le plan de la religion, j'ai pas mal tout le temps négligé mon affaire. Mais quand tu cours après ton bout de fuseau puis tu pars jamais plus que deux jours à la même place, il te reste pas grand temps pour réfléchir sur toi-même. C'est pour ça que la religion, j'ai brossé plus souvent qu'autrement à côté. Ben, vous croyez au moins en Dieu, j'espère bien. Ben, c'est lui qui a tout créé. S'il n'existait pas, je serais même pas là pour vous parler. Mais pour le reste, je me suis montré pas mal négligent. Si c'était pas trop tard... Oh, pour quelqu'un de sincère, il est jamais trop tard. Vous êtes pas venu de l'autre côté du chemin. Peut-être que de vous recueillir un petit peu, ce serait un bon début. Oh, ben, je suis pas contre l'idée. Hein. Quand vous voudrez, je peux rapporter de l'autre bord de la route. Ben, on pourrait faire ça tout de suite, hein? Quand on est dans des bonnes dispositions, faut battre le fer avant qu'il refroidisse. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Oh, oui. Ah, ben, là, moi, fais tout mon possible. Même plus que mon gros possible. Vous allez voir. C'est bien parfait. Prenez donc le temps de mastiquer. Si les sandwichs n'étaient pas arrivés en retard, j'aurais pas besoin de le faire. Je travaillais, là. J'ai oublié là. Si t'avais voulu venir au casse-croûte avec moi, on aurait mangé des hot dogs. Ça aurait été moins loin que d'attendre les sandwichs. Mais moi, je suis pas comme toi. Des hot dogs, j'en avale pas trois fois par jour. Tu sauras que tous les soirs, c'est moi qui fais le souper. De la saucisse, je suppose. Je suis capable de faire cuire des steaks, des spaghettis, puis plein d'autres affaires aussi. Il me picouche tout le temps. Y a-tu une raison? Je suis son ami, puis il fait semblant que c'est pas vrai. Je fais pas semblant. Devant les autres, tu fais semblant. Mais quand je suis toute seule avec lui, par exemple, c'est pas pareil. Et comme je lui dis quand on reste à Montréal, il est tout le temps collé sur moi. Quand ça fait une demi-heure que je me tiens loin, c'est toi qui se rapproche. Tu peux dire aux autres que t'as besoin de moi, je te mangerai pas pour ça. Et t'es fatigante, Mandoline Terrio. Si tu continues, je te prends pas avec moi pour mon projet. Faudrait d'abord savoir si la maîtresse accepte que tu fasses ton projet. Je vais te prendre à la sortie de l'école après-midi, c'est correct? Bon, je te l'ai dit qu'on arriverait trop tard. Ben, tu dois bien rester quelques minutes avant que la cloche sonne. On peut pas arriver en retard, c'est trop important pour vous. Ah bon? Salut! La porte! Je dis qu'ils sont pressés pour vrai, hein? L'institutrice doit lui donner une réponse. La bouscotte a imaginé un projet. Ah. Ça l'excite. C'est rien d'autre que du hachis, mais avec ça... Ça devrait passer mieux. J'ai des assiettes, des... Tu sais que tu penses aller de même? Ben, c'est la première fois que je viens. C'est normal que je regarde ce que ça a l'air, la beurrerie. Tu pensais rentrer là-dedans facilement de même? C'est plus comme au temps du grand-père, là. À cette heure, c'est aussi compliqué que d'aller dans l'espace. On va mettre ça avant. Non, juste un coup d'œil, c'est pas à peine. C'est le règlement, pas. Ah! Bon, ben, c'est le règlement, on va s'arranger avec. Ben, je t'ai mis à ton site, toi. Moi aussi, je veux voir. Mais c'est la même chose pour toi. C'est toi. Ce que les grandes pétrolières déclarent aux journaux, puis comment elles agissent dans la réalité, c'est deux choses bien différentes. Ce serait temps que le gouvernement comprenne, me semble. D'accord, on se rappelle plus tard. Avec les poules mouillées qui nous gouvernent, c'est pas de la veille. T'as l'air excité pas ordinaire. Quand tu vas avoir vu ce que j'ai là-dedans, tu vas comprendre. On devait pas d'abord parler de la conversation que j'ai eue un matin avec Antoine. Non, mais si je te montre pas ce que je tiens là, je vais jaser tout croche, là. Je suis trop fébrile. Dans ce cas-là, vas-y. Tu m'avais rien dit là-dessus? J'attendais que ça soit coulé dans le béton. Là, je peux commencer les travaux à Carleton, à Amqui, à la Pocatière en même temps. Au printemps, il va y avoir des galeries Rosaire-Lévesque dans tout l'est du Québec. Ça, ben, c'est grâce à toi. Oh, comment ça, grâce à moi? Parce que tu m'as communiqué ton enthousiasme. Mm. Non, si t'avais pas été là, là, j'aurais jamais eu le courage de m'attaquer un gros morceau comme ça. Ce projet-là, là, c'est à toi que je le dois.
Je vous salue, enfant bien-aimé. Je suis Marie, venue sanctifier tout centre de lumière en cette nuit terrestre où tout arc-en-ciel va s'unifier. Prenez cette lumière argentée et faites-la briller tout doucement. Dans votre cœur, voyez maintenant le cœur de Marie se fusionner au cœur argenté. Respirez profondément, expirez profondément. Récitons maintenant l'homme créateur. Y a-t-il parmi vous des êtres qui ont des questions à poser? Hier soir, j'ai rêvé que je voyais un arc-en-ciel qui s'agrandissait dans le ciel. Je voudrais savoir ce que ça signifie. Ce que tu as vu, c'est le symbole du cœur argenté de Marie. Pour se sentir bien, il suffit de s'ancrer dans le cœur argenté de Marie. Prions-le silencieusement pour qu'il vienne jusqu'à nous, accompagné par les anges gardiens chargés de sa protection. Bien certain que les premières fois que tu m'en as parlé, j'étais plutôt sceptique. Mais là, ça a l'air de marcher pas mal fort. Quelque chose qui vient quasiment de commencer, hein? Si j'écoutais Léonie, je serais déjà en train d'agrandir. Ah oui? Si la demande est là, pourquoi pas? Je me sens pas pressé. Je trouve que ça va en masse vite de même. L'important, là, c'est pas la quantité de beurre puis de fromage que je fabrique, c'est le goût qui te laisse dans la bouche quand tu le manges. Non, laisse faire ça, je vais apporter tout ça à Saint-Jean-de-Vie. Laisse faire. On sait que t'es ici jusqu'aux petites heures du matin, tout le temps. Hein? C'est le cas d'habitude, mais là, il y a une assemblée de cuisine à soir. Et étant donné que c'est la première de la campagne, j'accepte d'en faire partie. Parlant d'élection, là, tu vois ça comment? C'est une idée. On peut pas se fier à l'opinion du monde, là, ça change tout le temps. Sans même qu'on sache pourquoi. Mais on devrait voir les résultats d'un premier sondage en fin d'après-midi. Si vous venez avec moi, on pourra en prendre connaissance tout le monde ensemble. Moi, je suis d'accord. J'ai rien à mon programme. Je suis d'accord aussi, hein? Alors, il me reste plus qu'à appeler pour que quelqu'un fasse la permanence ici. Ah! Ah ben! À la maison, j'ai plein de cassettes sur le cosmos, la recherche spatiale, les fusées, puis les cosmonautes. C'est vrai ce que Bouscott dit. Il me les a montrés. Et j'ai des livres aussi. Je les connais par cœur. À Rivière-du-Loup, ce qu'il propose, Bouscott, ça existe dans les écoles. Ça fait partie des activités parascolaires. Il y a une grosse différence, par exemple. À Rivière-du-Loup, ces activités-là se font au pavillon de la découverte pour les élèves du secondaire, avec des profs spécialisés en sciences. Moi, j'y connais pas grand-chose. Marceline, son nom travaille au pavillon de la découverte. À part ça, je peux demander toutes les explications que je veux à Julie Garneau. Et quand c'est nécessaire, je suis capable de la rejoindre. Demain matin, je peux apporter tout ce qu'il va falloir. Les cassettes, les livres, même les plans pour les semaines à venir. Elles sont déjà toutes prêtes dans ma tête. Vous pouvez pas dire non. Vous avez même pas besoin d'en parler au directeur. Bon, j'ai pas de problème avec ça. J'ai le droit de faire ce que je veux dans ma classe. Ça signifie que vous êtes d'accord? Ben, si tout se passe comme vous le dites, on pourrait faire un essai. Yeah! Attendez, j'ai pas fini. Il y a une condition, puis c'est impossible de passer à côté. Si je me rends compte que votre projet nuit à vos études ou bien à la classe en général, je serai obligée d'y mettre fin. Ça arrivera pas. Vous allez voir. J'ai déjà fait un accro au règlement de l'école aujourd'hui en écourtant le temps consacré à la classe. Faudrait pas que ça se répète, par exemple. Même à Montréal, il n'y avait pas de professeur fin comme vous. Ça, c'est l'évidence même. Soyez prudents, rentrez à la maison. Puis, oubliez pas vos devoirs, sinon, pas d'activité parascolaire. Ça fait plaisir à voir, quand même. Mais moi, j'aurais intérêt à me rafraîchir la mémoire. Maintenant,
Maintenant, va falloir faire vite. On n'aura plus de temps à perdre. J'appelle mon oncle qui enseigne les sciences au pavillon de la découverte, à Rivière-du-Loup. Mon père va trouver ce que j'ai besoin sur Internet. Moi, je m'occupe du reste. Admets tout le monde. T'as l'air plus joyeux qu'à midi. Ça a marché, Charles. On a eu le feu vert. À cette heure, c'est Tigidou Rétro de la ville. Je peux vous le prêter quelques minutes, si vous voulez. Ça va vous renseigner bien plus que tout ce que je pourrais ajouter. Oh, c'est pas la peine. Je pense que j'ai compris à ce temps-là. Comprendre, ça veut pas dire grand-chose. Ça dépend ce qu'on comprend. Oh, ben, moi, j'ai jamais caché à personne que, avant de venir ici comme pensionnaire, que sur le plan de la religion, sur le plan de la spiritualité, je t'ai pas tellement ferré là-dedans. Là-dedans, c'est pas important de connaître non plus. Tout ce qu'il faut, c'est d'écouter son cœur. Oh ben, peut-être bien que je n'en avais pas, ben donc il était dur comme de la roche, mais... Moi, je suis pas venu au monde dans une famille parce que la prière avait beaucoup d'importance. J'ai jamais vu ma mère à genoux, pas plus que mon père, d'ailleurs. Puis quand je suis parti de la maison, faut dire que j'étais pas mal jeune. C'est pas une raison. Ben, courir les chantiers pour trouver mon bois à fuseau, les occasions de dire le chapelet n'étaient pas fréquentes, ben. Mais tantôt, quand tout le monde priait là, dans l'oratoire, là, j'avoue que j'ai eu comme un pincement au cœur. Je dirais pas que ça a duré 10 ans, là, mais pendant quelques minutes, là. J'ai senti comme s'il y avait un petit vent chaud qui me soufflait d'en face. C'est un bon signe. J'éprouvais le même sentiment les premières fois que Marie-Victor me parlait des anges. J'avais l'impression de voler au-dessus du monde avec eux autres. Ça me faisait comme des petites mordées dans la peau. Ouais, je vais aller réfléchir là-dessus avant de souper. Ma randonnée à raquette dans les champs de Kamouraska, moi, comme des crinquères de corporation. Je vais être capable de vous suivre demain quand on va aller zioter l'enfant des neiges. Je suis mieux de me refaire du lard d'un mollet. Vous l'avez bien dit qu'avec un peu de patience, on aurait quelqu'un de plus qui serait sur notre bord. On dirait que vous n'êtes pas encore convaincu. Pour le moment, je préfère rester sur mon compte à moi. Moi aussi. Je vais aller me reposer un peu avant qu'on mange. Je me demande bien ce que Mme Lévesque pourrait reprocher à M. Saint-Jean. Elle est un petit peu jalouse, je pense. Pourquoi elle serait? Ben, avant que Magloire arrive, Mme Lévesque avait toute la place pour elle dans la maison. Et là, j'ai l'impression qu'elle est obligée de partager ses sentiments puis que ça accroche un peu d'un branchoir. Qu'est-ce que tu veux? Quand tu vieillis, tu deviens comme un vieux matou. Ton territoire s'est tellement rapetissé que tu voudrais pas que personne vienne lever la queue dedans. Mais avec un peu de patience, ça devrait pas poser de problème bien longtemps. L'important, c'est que tu sois heureuse là-dedans. Comme moi, je le suis. Si jamais senti aussi bien, Marie-Victor. Ça veut-tu dire que tu m'aimes encore un petit peu? Oh. Quelqu'un qui aime pas l'école, plutôt que tu t'appliques pas mal. C'est pas pour l'école que je travaille. C'est pour les ateliers que je veux commencer à donner demain à l'école. Ah. Et on va manger quoi à tes ateliers? Pour aller dans l'espace, il faut savoir c'est quoi le cosmos. Ça ferait pas mal de planètes à se mettre dans la tête, hein? Pas seulement des planètes. Non, c'est vrai. Il faut savoir comment que
qu'une navette spatiale fonctionne, puis ce qui fait que les fusées peuvent se lever dans le ciel. Je vous ai donné un livre là-dessus l'autre jour. Vous deviez même écrire une page sur ce que vous avez vu dedans. J'ai commencé, mais... J'ai un peu de misère, hein? Toutes les pages, il y a plein de nouveaux chiffres. Je suis habitué d'en voir pas mal à quincaillerie. Ceux-là sont pas du même genre, pas toutes. Fait qu'avant de te remettre le texte que je dois écrire là-dessus, là, j'aurais besoin que tu m'éclaircisses les idées. Si vous veniez à mes ateliers, ça serait pas long que vous comprendriez c'est quoi l'espace. Ah, peut-être, mais... Étant donné que c'est pas possible, vous êtes obligé de vous contenter d'une cassette vidéo. Mais c'est pareil pour la cassette que pour le livre. Ça va me prendre un compte-rendu aussi, là. Comme on dit, il va falloir que je m'aiguise le crayon comme il faut, hein? Les ateliers que tu donnes à ton école, ça va servir à quoi, ça? Ça, je peux pas en parler. C'est comme un secret militaire. Bien plus qu'un secret militaire. Ouais. Bon, mais avant que mon ignorance me cale jusqu'au récipice du cou, peut-être aussi bien d'aller rejoindre le monde en bas pour souper. Peut-être que de manger, ça va m'activer le reste de matière grise que j'ai là-dedans. Hein? Tu parles à la porte? Avant qu'on sorte, j'aurais voulu ajouter quelque chose d'homme à homme, bien évidemment. Du moment que c'est pas une autre question que vous avez à poser, c'est correct. Alors, je voulais juste te dire que je suis fier de toi. Moi non plus. Pour moi, Rino s'est trompé quand il est allé au pic mesurer des rabois de Marie-Victor Leblanc. Il se serait trompé en plus ou bien en moins? En plus, évidemment. Rino a toujours été le meilleur mesureur de la compagnie. Pourquoi il aurait fait là une erreur quand c'est encore jamais arrivé avec lui? Mon idée, c'est qu'il regardait ça un peu vitement. J'étais au bic avec lui quand on a fait le tour des terres à bois de Marie-Victor. Moi, je suis certaine qu'on a les bonnes mesures. J'aimerais quand même les vérifier avant qu'on débarque là avec toute notre machinerie. C'est important pour le moulin ici. Si on n'a pas tout le bois qu'on devrait trouver au bic, on risque de tourner à vide avant le printemps prochain. Tu suggères quoi d'abord? Que j'aille au bic avec Rino, mesurer une autre fois les terres à bois de Marie-Victor Leblanc. Toutes les fois que je propose quelque chose, là, t'es jamais d'accord. C'est pas ça, la question. Mais tant qu'à mettre en marche une affaire pareille, j'aime mieux qu'on s'en aille pas dedans, l'aveuglette. Bon, tu vas être au bic quand? Le Rino, il est dans Matapédia pour quelques jours encore. Tu serais pas en train de t'arranger pour faire traîner les affaires, toi? J'aurais aucun intérêt à agir de même. Parce que du boissier, on va en avoir besoin tout à l'heure. Mm-hmm. Mm. Ce serait le temps qu'on passe à la table. Tout le monde est prêt, je pense. Ben, sa mec puis son père sont pourtant pas encore arrivés. Si on veut que l'assemblée de cuisine se tienne à soir, on peut plus attendre. Si sa mec puis son père arrivent, on leur fera une place à table. À moins que t'aies une meilleure idée. Les prétendues meilleures idées, je vais me contenter de laisser ça aux politiciens. Des problèmes avec le moulin, ici? Ben non, juste une question de régie interne, rien d'autre. Quand on est allés à Paris, tous les deux, on s'était donné une couple de semaines pour faire le point. Mais de mon côté, les choses peuvent pas être plus claires. En donnant suite à l'expansion de mes centres commerciaux, j'ai décidé d'y aller à fond de train. Mais je me suis organisé en conséquence. Hein. J'ai maintenant un adjoint à Matane, ce qui signifie que je peux contrôler mes affaires à partir de 3 pistoles. Pour ce qui est de mon chalet de Saint-Fabien, mais je le fais rénover pour que je puisse y habiter à temps plein si je veux. Remarque que quand je parle de moi, ça te concerne aussi. Hein? Si on devait pas vivre ensemble, j'en entreprendrais pas autant. Toi-même, t'en iras du où? Si je devais quitter la maison pour aller vivre avec toi, Antoine pourrait le comprendre. Pourquoi tu mets ça au conditionnel? Il y a tellement de temps qu'Antoine puis moi, on vit ensemble sans l'être vraiment qu'on a fini par s'imaginer que c'était normal. Rien d'autre qu'un arrangement, pourtant. Mais sur le plan des sentiments, ça t'a fait perdre ta vie à toi pendant un bout de temps. Pour Antoine, c'était pas pareil. Il a toujours eu Mélina à côté de lui. Si je laissais Antoine, je suis pas certaine que ça ferait l'affaire de Mélina. Mais elle a toujours préservé sa liberté.
Je suis même convaincue que pour eux autres, ce serait la catastrophe si de mon bord, la situation devait changer. Mais Linda tient trop à sa solitude pour accepter qu'Antoine arrive un bon matin chez elle, avec ses valises. C'est possible, mais il faudrait pas que ça influence dans ce qu'on ressent tous les deux. Ouais, j'ai envie de vivre avec toi. Pas dans la semaine des 4 jeudis, mais maintenant. On a moins de temps par devant que celui qu'on a déjà eu par derrière. Puis ce temps-là, j'attends ce qu'on le passe ensemble désormais. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi aussi, j'ai vraiment le goût d'être heureuse avec toi. Ça m'a manqué tellement longtemps. Mais entre avoir le goût puis faire en sorte que ce goût-là devienne réalité... Ma décision est prise. Je vais aller vivre avec toi. Je voudrais seulement que ça se fasse une fois que la campagne électorale de Philippe soit finie. Là, tout va bien entre Antoine puis lui. C'est pareil pour les Bérubés, pour Bouscotte, même pour la Beurrie de Saint-Pas-de-la-Croix. Et si je devais quitter la maison maintenant, Antoine pourrait se retourner de bord. Avec les résultats qu'on a connus quand Charles a parlé de se marier, ce serait Philippe qui risquerait de jamais s'en remettre. Bon, ben, je suis d'accord pour attendre après la campagne électorale. À condition que tu reviennes en Europe avec moi avant. Mais pour les centres d'achat, je voudrais intéresser des entreprises qui cherchent des débouchés à l'extérieur de l'Union européenne. Mais ça serait qu'un. Ah, ben, pour la date, je ne sais pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. Pour le travail, non? La journée est finie, là. Là, il reste plus rien que nous autres deux dans tout le monde. Ça me rappelle le temps où mon père organisait des corvées pour la construction des hangars de la quincaillerie. Quand on a le temps de manger à plein de monde en maison. Il y en a même qui se présentaient sans même être invités. Un peu comme Milna puis moi on a fait, là. Charles vous a demandé de venir souper avec nous autres. C'est comme si c'était moi qui vous l'avais offert. Ah, merci. C'est bien gentil. Quand est-ce que ça va commencer? Moi, j'ai encore des choses à préparer pour mon premier atelier de manière Ça continue, là, on manque une chaise tout à l'heure. Mais non, il y en a plein de l'autre côté. Bon, là, tu as une assemblée de cuisine. Tout le monde n'a pas besoin d'être assis. C'est un peu comme une veillée, ça. Hein? Laisse faire, mange, réponds. Excusez, pardon. On peut pas commencer la réunion maintenant. C'est un mec et son père, ça n'est pas encore arrivé. Pas grave. Ah. Non, du moment que vous arrivez d'ici la fin, c'est pas grave. Oui, oui, on va vous attendre jusqu'aux petites heures du matin s'il faut. À plus tard. Samek puis son père partent de Whitworth. J'espère que ça te rassure. Ben, je pense que t'as le cachoir maintenant. Je vous laisse le mot de bienvenue. Bonsoir tout le monde. Étant donné que c'est la première assemblée de cuisine que j'organise de ma vie, je sais pas trop par quoi commencer. Sinon, en vous remerciant d'abord, puis bien simplement, d'être ici avec nous autres. Et on va passer une veillée agréable, vous allez voir. Les enfants souffrant d'anomalies neurologiques, de diverses formes de trisomie ou de déficience intellectuelle grave ne peuvent communiquer par la parole. Mais un espoir existe avec le langage amérinde. Voyez Enjeu dans un moment.